Ah oui, c'est direct. Ah! Bah, j'ai juste enlevé le mode studio, pourquoi? Ça change, hein, quand même, la musique. Avec le son que je mets, c'est un peu un clash, quoi. Ah! Je suis devenu flou. Ah! Ah! Striga qui fait le taf. Coupe le son, hein, je suis désolé. On va passer à. À. Misère! Ah, c'est quoi déjà? C'est. Les super voix. Explorer les leaks de la boutique nazie. Alors moi j'ai appris un truc. Bon, ça n'a rien à voir avec les nazis du coup. J'ai appris un truc. Regarde le taf des autres pour l'instant, ok. Pas encore tombé sur le leaks, mais si tu veux en parler, n'hésite pas. Et j'ai commencé à trouver des solutions pas chères pour mes murs. Le torchis, hein, il paraît que c'est pas cher. Ça a l'air chiant à faire, mais. Mais il y a une porte ici, mais on l'avait jamais vue. Oui, donc du coup, j'ai appris que maintenant c'est officiel. Alors, je suis tombé dessus tout à l'heure. Donc du coup, je vais essayer de vous lire, vu que c'est une traduction anglaise, à la volée, bien sûr. Donc si c'est d'une personne qui fait du VTube sur... Il y a un personnage numérique pour se présenter sur Twitch. Je sais pas si vous connaissez le VTubing, you know. Je trouve que c'est vachement bien foutu. En général, il y a du 2D et du 3D, c'est en lien avec la captation visuelle de et ou avec des capteurs corporels. Et donc du coup, il y a des mouvements, des animations et tout qui vont avec. Et du coup, il y a eu un ban de Twitch hier. Oui, il y a 18h, donc c'était hier. Et donc il y a quelqu'un qui a réagi dessus. Alors, je vous lis, hein, parce que je pense que c'est intéressant, mais plus pour chronologie des femmes artistes, du coup. Voilà, je vous explique. Si... alors, je vais traduire le poste. Donc, si quelqu'un n'était pas sûr, cela le confirme. L'autorisation de nudité artistique concerne les courants artistiques dans lesquels une nudité est dessinée, sculptée ou truquée. Il ne permet pas aux VTubeurs d'être nus, ni aux gens de découvrir leur flux d'art nu PNG. Alors, c'est pas flux d'art nu PNG, mais vous avez compris. Leur stream avec des images PNG nues. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça soulève le problème que nous, on avait aussi. C'est-à-dire que nous, on a essayé d'éviter de montrer du nu d'art. Ne devrions-nous pas occuper notre temps à quelque chose d'utile? Mais Jaira, c'est très utile ce qu'on dit. Et en fait, le truc, c'est que, ouais, on a essayé d'être en safe search, mais il y a des sujets artistiques et des thèmes artistiques traités par les femmes artistes en général qui peuvent être de l'ordre de la nudité comme ou j'aime ces inclure une longs nudité. moments de détente. C'est une journée idéale pour se reposer. Taisez-vous, en fait. Et du coup, on avait essayé de faire au maximum pour ne pas se faire ban. Voilà. Le problème est que ça enlève beaucoup du taf. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, par exemple, sur les rapports à la féminité qui sont en lien avec la nudité ou la manière dont le patriarcat le voit, plutôt. Donc du coup, ça enlève beaucoup de taf. Donc on avait ce petit problème-là, nous. Voilà. Maintenant, on apprend que du coup, des images, du coup, que nous on modifie. Ça c'est comptabilisé, et que ce n'est pas dessiné. Parce que là, par exemple, si c'est faire du nu, ça a l'air de fonctionner. Mais par contre, de le présenter, c'est autre chose. Voilà, c'est les deux différences. Mais ça, c'est important, parce que dans l'art, en Tâche général, le facile. nu en fait partie, quoi. Donc du coup, c'est très compliqué. Bon, on va essayer de passer par cette porte, hein. Un piège. Merci Mohen d'avoir au moins 150 en piège. Maintenant c'est à ton tour de Moi, je m'en vais. désamorcer. 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 Ça c'était une porte. On peut pas désamorcer des portes. Désamorcer. Ouais, on va y arriver.
Ouais, c'est vrai que si vous présentez une sculpteuse spécialisée sur le nu, c'est ballot. Bah en fait, on est tombé sur beaucoup de personnes comme ça en fait. Et je tiens à préciser, ce n'est pas non plus le sujet principal majoritaire chez les femmes artistes. Hein. Les deux marchent dans la phrase en fait parce que c'est aussi du faf-watch. Ah, ah. C'est fait. Bon, on traverse. Hein. On s'en fiche les pièges. Oh ça va, c'est un petit piège. Par contre, tu peux continuer. Par ici. Et ça, c'est là où on n'était pas passé, c'est très bien. Piège de l'étage ou c'est moi? Non, c'est. Oui, c'est exactement le même. C'est exactement le même qui était ici, je pense, ou quelque part là. Ouais, je pense qu'il y en avait un ici, mais on l'avait pas détecté. J'en ai assez. Je pensais que c'était les araignées qui m'attaquaient, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une machine anachronique. Moi, je m'en vais. Y a rien d'interactif. Ah si. C'est trop loin. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ici. En vrai, vous pouvez rester de l'autre côté, hein. Si c'est juste pour qu'on se retrouve, vous pouvez rester de l'autre côté. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose là-bas qui va nous aider en plus. Vas-y Roland. Une tâche facile. Je pense qu'il y a un truc là-bas. Golem de pierre qui va parler et un mur qui est un peu en mode je vais t'écraser. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Une tâche facile. J'ai des questions à vous poser. Seuls les membres du clan peuvent passer. Dites-moi ce que vous savez de l'histoire. Répondez bien et la voie est libre. Répondez mal et vous le regretterez. Vous n'aurez pas de seconde chance. Souhaitez-vous répondre maintenant? Je viens de toper à des ABEC 5. Ah, j'ai appris qu'il y avait des ABEC 11 qui étaient sortis. Sache-le en roulement. Mais c'est vrai que ABEC 5, ouais. Pas mal déjà. Et vous, votre question, Golem? Si Durlag, fils de Bolur, Ashtener, fait partie de votre clan. Vous connaissez bien la famille qui a construit cet endroit. Le dernier fils de Durlag, quel est son nom? On a sauvegardé avant, on est d'accord. Hein. Je vais dire Furlag. C'est pas celle-ci. Lol. Bon, on va répondre à ces questions, hein. On va aller là-bas, oui, déjà. Sûr. Et on va essayer d'inventer notre vie. Non, 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 attends, déjà, on va essayer de le faire au pif. Si au bout de la troisième fois, Une tâche facile. À... Oui, alors, c'était... Gruntal. Ah, mince. Ah on allait se prendre un petit chassé dans la tête, là. C'est fait. Ouais, on a failli mourir. C'est fait. On va l'appeler Durlas. Oh. Et en plus, il nous incante des choses. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Je suis sûr que c'est une noire, un truc bien sale qui va nous taper. Sur mère terre. Je la refermerai bien si j'en non, avais voilà. Moyens. Si vous n'avez pas de Clem Lelu dans le coin qui vous donne les réponses, bien sûr, cette technique-là est toujours satisfaisante à faire. C'est-à-dire, vous dites au pif, et Ah, ça a changé. Il y a argent. C'est argent. T'appelles pas argent, c'est bizarre. Durlag a eu un enfant, déjà. C'est déjà c'est étrange. Hein. Ah, il y avait un truc en point d'interrogation quelque part, là. La technique que tout le monde a fait, je pense, en 97, c'est celle-ci. Oui, hein. Bien sûr. Faut pas se mentir. Bah c'est Islan. Voilà. Pourquoi il n'y avait pas Islan tout à l'heure? Votre réponse est satisfaisante. Il reste une autre question. Durlag, le bâtisseur de la demeure, le fondateur du clan, ne tenait pas son nom de son père, mais de ses propres actions. La tour fut construite grâce au trésor, mais le nom de famille de Durlag vient d'une autre fortune, celle des armes. Armé d'une hache et de feu, il purifia la terre des brutes qu'il aimait à combattre. Lorsque la hache seule ne pouvait suffire, je vous demande le deuxième nom de Durlag. Ça, je m'en rappelle. C'est tueur de trolls.
Donc c'est Islan, tueur de trolls, pour l'instant. Votre réponse est satisfaisante. Il reste toutefois une question. Le père de cet endroit fonda le clan qui tomba par traîtrise. De faux visages s'approprièrent l'avenir et du leur lac se retrouva sans clan. La même chose était arrivée à son propre père, un vagabond qui vivait par la seule force de son arme. Le nom de famille de Bolur, c'est ce que je vous demande. Le bon sens, c'est la seule chose dont vous avez besoin de répondre. C'est Ashtoner, je crois. Et voilà! On l'a lu il y a 3 secondes, Ashtoner, je crois. Je sais plus où, mais on l'a lu quelque part, juste avant. Votre réponse est satisfaisante. Voici la clé qui vous permettra d'accéder à ce dont vous avez besoin. Voici le secret de ce qui est à venir. Les os marcheront là où la chair ne le peut, le surveillant les emmenant en promenade. Sauvegardons, parce qu'ils vont nous parler pendant 15 ans. On va envoyer... Ceci n'est pas mon visage, les intrus qui sont venus ont pris mon vrai visage et l'ont enterré avec mon corps et celui de mes camarades. J'étais parmi les derniers, mais pas le tout dernier. Et j'ai vu l'horreur à venir. Mon enfant s'est attaqué à moi et ce n'était plus mon enfant. Elle avait son visage, mais je savais qu'elle était morte. Les doppelgangers sont venus de l'intérieur et nous ne pouvions pas nous battre contre nous-mêmes. Il valait mieux mourir que de s'entretuer. Que resterait-il d'un homme qui a dû tuer sa famille et lui-même? J'étais parmi les derniers, mais pas le tout dernier. Donc avant-dernier, mon cher. Très bien. Nous avons été engagés après les combats. Durlag nous a demandé de rendre ses visions réelles. Nous avons fait de notre mieux, mais elles sont devenues plus sombres. Et bientôt, nous n'en avons plus rien vu. Nous n'avons plus rien vu. Nous nous sommes effrayés à un chemin à travers ses morts et à travers son or. À la fin, nous avons craint notre vie, mais moins que lui. Je n'ai jamais vraiment su s'il souhaitait maintenir les intrus dehors ou lui-même à l'intérieur. La bonne ambiance, ouais. Je n'ai jamais vraiment su. Ouais. Nous avons été engagés après les combats et nous avons fait de notre mieux. Ça a commencé avec nous et les maîtres. Ceux qui étaient pourvus de tentacules dirigeaient les opérations et nous avons donné l'assaut tranquillement et la faveur de la nuit. Mais je connais les tentacules, c'est Baldur's Gate 3, je l'ai vu, le logo là. Nous avons commencé par prendre les plus faibles en nous cachant parmi les enfants. Personne ne s'est rendu compte de notre arrivée. Ah mais le golem de pierre du coup là c'est le Doppelganger. Personne ne s'est rendu compte de notre arrivée, personne n'a vu l'insurrection et personne n'a survécu à l'assaut final. Lorsque Durlag s'est rendu compte du piège, il était trop tard. Sa propre famille en voulait à sa vie et il avait massacré les faux visages. Ça a commencé avec nous par l'ouest. Mais il avait déjà tué les Doppelganger, j'ai pas compris, donc du coup il a tué la famille. Cela s'est terminé avec moi. Parlez maintenant de mes tourments. Pour montrer que vous avez appris d'où est venue ma douleur. Où m'a-t-elle frappé? Où prenait-elle racine? Où réside-t-elle? Parlez et montrez que vous comprenez. On va essayer de faire au pif. Mais ouais. De l'est, puis est parti vers le sud. Attends, mais quoi? Ah oui, d'accord, du coup, attends. Je me rappelle plus. Nord-sud, c'est... Nord, c'est en haut. Sud, c'est en bas. Donc, du coup, elle est venue du nord parce que c'est... il a dit que c'était lui qui l'attaquait. Puis est parti vers le sud et ce fut... normalement c'est celle-ci. Que le mec du nord, c'est lui qui a dit qu'il l'attaquait. Le premier là, le sud de ce côté-là, à gauche, là, il a dit que c'était avant-dernier. Donc du coup c'est... Puis est parti vers le sud, ensuite ce fut l'ouest. Et maintenant elle repose au nord. Oh. Oh. C'est pas ça. Mais alors du coup, je comprends pas parce que on est d'accord que... Ah mais c'est une boussole. C'est pas exactement... Le nord est là. Ça? Nord. Où est le nord? Bref, j'avais pas fait gaffe. Où est le nord? Attendez, je vais regarder la map. Ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider. Donc normalement nord. Je ferai de mon mieux. Sud. Donc ça c'est l'attaque. Et ça finit par eux. Donc du coup non, c'est nord, sud, est, ouest. Il n'y avait pas nord, sud, est, ouest.
nord est indiqué par le triangle extérieur, normalement. Il est en bas. Alors, j'ai pas compris le triangle extérieur. Voilà, je vois les pics. 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 Donc ça fait une rosace. Donc lui, il nous a dit quoi? Nous avons été engagés après les combats. Donc, du coup, c'est après le combat. À la fin, nous avons craint notre vie, mais au moins, moins que lui. Je n'ai vraiment pas su s'il souhaitait vraiment que maintenir les intrus à l'intérieur ou même à l'intérieur, à l'extérieur. Ok, ok. Les deux, je suppose. Nous avons été engagés après les combats et nous avons fait de notre mieux. Potentiellement, c'est la fin, en fait, le sud. Hein. Ce n'est pas mon visage. Les intrus qui sont venus ont pris mon vrai visage. Ils l'ont enterré avec mon corps, hein, celui de mes camarades. Donc du coup, ça, c'est après l'attaque. Donc du coup, c'est normalement... Ici, là, là, là. Sur une boussole, il y a un marqueur sur le nord, mais là, il n'y a pas, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est étrange, c'est qu'en fait, il faudrait bien cibler quel est l'endroit du nord. Là, il y a une lettre. Ça, c'est effacé, ici. Ouais, normalement c'est ça, c'est en fait c'est logiquement c'est là, 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 là. Donc, du coup ça fait un peu le tour quoi. Du coup c'est elle est alors normalement ça devrait être le haut et le nord hein, dans les jeux comment c'est trigonométrie, non comment ça s'appelle c'est oh, vous avez compris. On dirait un triangle en bas, non? Attends. On va choisir maintenant. En bas. Oui, celui-ci c'est un triangle, mais le normalement c'est les pointes qui font office de coordonnées, comme on dit. Ça serait. Imaginons si ça c'est nord. Ça serait nord-ouest, ouest, sud-ouest, ouest, enfin sud. Ouais, moi aussi là, j'ai du mal. Mais c'est surtout qu'en plus, il y a des écrits, là. Pas trop. Hein. Non, mais normalement, ça devrait être ça. Ça devrait être... commencer par le haut. Donc, du coup, logiquement, ça devrait être... le nord. C'est ça, normalement. C'est... Donc, nord, sud, si ça doit être ça. Ouest. Et maintenant, elle repose au nord. Ah non, c'est pas ça, alors, du coup. Elle est venue de l'est. Puis est parti vers l'ouest. Alors attends. Ça peut pas être ça parce que ça voudrait dire que c'est inverse. En fait, c'est le chemin qu'il faut qu'on calcule. Elle est venue de l'est. Puis est parti vers le sud. C'est-à-dire que si c'est l'est, c'est là. Sud. Ensuite, ce fut l'ouest. Et maintenant, elle repose au nord. Ça, c'est possible. Et du coup, il faudrait que ça décale. Du coup, ça voudrait dire que par exemple, l'est, ce serait là. Tu es parti vers le sud, l'ouest. C'est pas possible que ce soit ça, c'est dans l'autre sens. Elle est venue du sud, puis est partie vers l'ouest. Donc sud, ouest, l'est, et maintenant elle repose au nord. Ça c'est possible, parce qu'en fait logiquement ça commence... J'avais dit que ça commençait comme ça, donc non, c'est en... En fait c'est dans le... C'est le tour du cadran qu'il faut calculer. C'est-à-dire, est-ce que c'est en... dans le sens de l'heure, ou est-ce que c'est en anti-horaire? Je crois que c'est ça. Là, c'est encore en horaire basique, quoi. Elle est venue de l'ouest. Puis est partie vers le sud. Oui, ça va dans notre sens. Et puis maintenant, elle repose au nord. Ça, on peut le dire. Parce que ça voudrait dire que ici, c'est ouest. Ici, c'est sud. Est. C'est ça, hein. Je me trompe pas sur mes coordonnées. Je sais plus. C'est nord, sud, est. Attends. Pour vous, ce serait ça. Est, ouest. C'est ça? Attends, je sais plus. Amérique, c'est où? Je sais plus. Attendez. Il me fout une vraie boussole, je suis perdu. Il y a une boussole là. Oui, c'est ça, c'est est sur le côté. Ah mais non, mais du coup ça marche pas. Parce que ça veut dire que tu parles du... Attends. C'est laquelle, celle-ci? L'est est à... L'est est à droite pour moi. On était là. Elle est venue de l'ouest, puis est partie vers le sud. Enfin, ça fut l'est, et maintenant elle repose au nord. Si, ça c'est possible. Et du coup, ça voudrait dire que ouest, sud, est, nord. Ça, c'est possible. Elle est venue de l'ouest, puis est partie vers le sud, ensuite ce fut l'est. Ah. Ok. Allez, télétransporte-nous.
Ah, on est revenu au début. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. C'était très intéressant. Je suis à Mappy. Une tâche facile. Oui, donc du coup, c'était le tu peux le faire sans. Tu peux le faire sans pifier, en fait. C'est vraiment anti-horaire, horaire. Razad qui déclenche les pièges. La vie, quoi. Donc on a fait ça. Maintenant, il faut qu'on aille là. Et apparemment, il y a un truc à faire. Ah oui, c'est ça. La structure en bois recouvre un puits profond. Il est impossible de le faire la profonde. Alors, impossible de dire la profondeur, mais quand on jette un caillou dans ce trou béant, on ne l'entend pas toucher le fond. Bah, c'est un trou. Chapeau bas, merci pour le chapeau. Par ici. On va déclencher le deuxième, hein. A tout de suite. C'est bien parce que c'est pas du tout à tête chercheuse aussi comme piège. C'est vraiment tout ce qu'on aime. On continue, hein, vous êtes trop loin pour faire fonctionner cet engin. On peut lire l'inscription suivante. Au-dessus d'une petite fente, insérez une pierre sésame en os pour désactiver les pièges runiques. Lorsque vous introduisez la pierre sésame en os dans la fente, vous sentez la machine ronronner. Puis le bruit disparaît. Vous avez la certitude qu'on a arrêté quelque chose. Apparemment, pas les pièges. Mais ça a fonctionné, du coup, on l'a mis, là, la pierre en os. Parce que je crois que c'était... Bah non, parce qu'on n'avait pas de pierre en os. On a encore les poches pleines. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui l'avait dans notre groupe et du coup qui le... Ou c'est bon. Mais ça, apparemment c'est validé, on l'a fait. Vous avez la certitude qu'on a arrêté quelque chose. On a arrêté quoi? Ça c'est la grande question. Attendez, parce qu'on a fait le tour. Hein. Ici. Ah, là. Peut-être qu'on peut arrêter... Et qu'on peut passer maintenant là. C'est ça l'histoire. Par ici. Oh, moi, je m'en vais. Moi, j'en m'en ai vais. Assez. Et puis je peux toujours essayer. Regardez-moi ce piège de l'enfer qui fait vraiment de la tête chercheuse. C'est vraiment n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. La traversion des murs. Je pense que ça peut être le piège runique, mais j'y crois pas trop. Et je vois pas trop ce que ça pourrait nous aider de plus, à part faire dodo avec les gens, là, ici. On va aller là-bas. Et on va attendre que les autres soient un peu désempêtrés. Wouah. Oui, vous avez vraiment pas de jet de sauvegarde sur ça. Hein. Bon, bah, on vous attend. Hein. Vous êtes passé derrière, de toute façon. J'en ai assez. On a Imoen avec nous, ça suffit. Par ici. En fait, je comprends pas trop ce qui pourrait... a été déclenché. En vrai, je ne sais pas. Ah, si, peut-être ça. Ce piège-là. On va encore mourir, là. Je connais ces histoires. Qui a des pierres sésame dans ses poches? Tout le monde? Tout le monde. Jaira, énormément. Jaira, S'il n'y a pas le choix. On va faire le tour avec Aïd. On va voir la suite. Hein. Oui, Roland de la Tour Brochon, allez là-bas. On se retrouve ici, alors. Moi, là. Je m'en vais. Jaira, vous êtes où? Pour le groupe. Merci, Razad, mon cher. Les pierres sésame, exact. C'est un peu comme... S'il n'y a pas le choix. Comme des pierres, sauf que juste tu galères à les trouver. Moi, je soupçonne qu'il y a un truc ici, mais alors par contre... Comment on avait fait? On avait fait là, on s'était dit ouais, c'est dur lag et tout, c'est le trône. On l'avait fait. Et là, c'est vide ici. On peut se dire qu'il y a un truc là. En croisant les doigts, qu'il n'y a pas de ghoul supérieur qui apparaissent.
Mais là, il y a un truc ici aussi, j'avais pas vu. Encore un truc là. J'ai pris un bout de... Ouais. De sûreté, sur mer terre. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. Il est en mode fuite, il est en mode fuite, il est en train de s'enfuir, Allez, vas-y, montre-nous la sortie. Non, c'est pas par ici. Encore une fois. Il s'enfuit. Vas-y. Y a que comme ça qu'on trouve la sortie, de toute façon. Je suis d'accord avec toi. On a les clés du coin pour ouvrir les mécanismes, exactement. Moi, je pense qu'on va aller retrouver les gens. Hein. C'est le seul moyen de faire. S'il n'y a pas le choix. Mais par contre, il y a un truc là. Bon. Est-ce que vous avez une pierre en os? Donc Dorn il l'a fait, Imoen l'a fait. On a arrêté quelque chose, quoi, je ne sais pas. Par contre le texte là. À vos ordres. Ok. On verra, c'est bon. On l'a arrêté et plusieurs fois. C'est que c'est fait. Ok. Je peux toujours essayer. En fait, on a tellement de pierres, on aurait pu les lâcher depuis le début, c'est ça l'histoire? Sauf qu'il faut savoir laquelle et laquelle. J'espère que ça coûte cher en revente. Hein. Bon, il y a un truc qui s'est arrêté, mais on sait pas quoi. Du coup, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas. Moi, je soupçonne que ça peut être ici parce qu'il y a un truc ici qu'on n'a pas visité. C'est fait. On va aller là. Ça aussi, c'est vrai que ça, c'est toujours problématique. Hein. Je vois pas trop où est-ce qu'on n'est pas allé. Ah, ici, il y avait un truc aussi. Quoi? Comment ça? Pourquoi il y a un truc ici et on n'est jamais allé? Là aussi. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il est là, lui? Pourquoi Razad, tu fais le tour? Pourquoi tu es comme ça? Lui, là, j'ai trop joué avec tâche lui. Facile. Bon, on et va faire chacun son tour. Oui, bien ouvrez sûr. Cette porte. Ne marche pas. Par ici. C'est verrouillé. Le serviteur à vos ordres. C'est verrouillé. Les pierres sésames n'ouvrent pas ce truc. Je ferai de mon mieux. Razad. Ouais, bien sûr, reviens sur le piège. Histoire de bien comprendre que... Le gars s'est fourni en deux pièges, quand même. Il y a des années 90. Non, mais c'est, même, c'est beau. C'est je pense que c'est toujours les mêmes IA, en plus. C'est ça qui est grave, c'est que... On fait chat GPT, c'est à peu près le même système. Hein. Ouais. Azad, c'est bon, t'arrives à ouvrir ou pas? Non. Ok. J'ai l'impression qu'il nous manque des gens. Ah non, c'est juste qu'ils sont pas rapides. Là, il y a des trucs ou pas, là? Une tâche facile. Descendez, mes chers. On avait fait le tour pour récupérer la thune. Ça, je m'en rappelle. On avait fait ça. Bon, les amis, on se retrouve ici. On se pose des questions. Là, ici aussi, il y a un truc, là. Mais je... Ouais. Par où passer? Il y a un truc qui s'est débloqué. Donc ça peut être un truc, genre, de l'ordre de magique. Mais en fait, ça, c'est peut-être une porte, en fait. Hein. Tout simplement. C'est juste qu'on n'est pas très doué. Si ça aussi, ça peut être une choix. Porte, genre, que je peux pas ouvrir. Oui, ça a l'air d'être ça. Exactement! Vous êtes une bien étrange personne. Allez, ouvrons cette porte. On va sauvegarder. On va faire dodo. C'est dur. J'espère qu'on va sortir, hein, parce que j'en ai marre. J'avoue, là... J'ai l'impression d'être séquestré. Ça fait 10 épisodes, donc du coup, j'ai calculé. C'est 10 oui, épisodes sûr. Qu'on est en train de souffrir ici. Oh non, des vers à soie. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Oh non, des ghouls supérieurs. Vraiment, tout ce que je supporte pas. Hein. C'est genre, on les a pas vus 15 millions de fois.
Vite, faites le travail. Voilà. Ah. Tous les combats de qualité supérieure quand même. Donc là. Ah. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est empoisonné. Oui. Oui. Dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Nos yeux. Ah, il n'est pas empoisonné encore. Sauvegardons. J'en ai nos poches. Assez. Pas incroyable, hein. Pas incroyable du tout. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il ? Il y a la place pour des potions. Voilà. C'est fait. Roland, prends les potions. On se retrouve avec 13 potions. Bon, c'était juste pour ça, là ? Et maintenant, oui, bien sûr. Oh mon dieu, on a vraiment fait ça pour ça. Ouh là 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 là. Toujours pas de chaussures, non, bien sûr. Oui, bien sûr. Sans chaussures. Warcraft 2, les catapultes, elles étaient catastrophiques dans leur déplacement. Ah oui. Oh, j'ai eu des rappels, là. Quel enfer. Les demi-tours, là, les chemins. Genre, juste pour reculer, c'était les demi-tours, mais quel enfer. Et ce combat épique de ghouls. Ils se sont fait bomboclate à 4. À 5. Pour l'instant, il a décidé d'être très très près de cette personne, de cette goule. Là, on peut passer. Hein. Bah, attendu Moen, mais là, on peut passer, je pense. Et aussi loin de CGA. Ouais. À vos ordres. Elle se balade avec toutes les pierres, c'est normal. On va attendre avec Imoen. Elle va découvrir cette porte. NES ou la PS1 sur Warcraft 2, c'était pas la NES. Ni la Super NES, hein, je crois pas. Hein. Mais c'était l'enfer. Hein. Moi, Warcraft 2, je crois que j'ai joué sur PC et c'était aussi l'enfer. Mais oui, il y a des déplacements de catapultes, mais... Oh c'est pour ça que StarCraft était pas mal sur les déplacements. Quand tu regardes les airs se déplacer, tu te dis, mais c'est incroyable ce qui se passe. Il y a des choses. Ça s'ouvre, ça. Voilà, merci, c'est ce que je voulais savoir. Ah non, mais il y a toujours des verres à soie derrière les trucs, là. T'es pas obligé de sauter je peux toujours essayer. Dans le venin. Une tâche facile. Alors oui, j'ai des personnages pas encombrés. Dorme entre autres. Et je pense que c'est parce qu'il peut porter un âne mort. On va se faire des petits plaisirs de dodo. Ah mais ça va, on n'a pas pris trop cher en fait. On va envoyer. Je ferai de mon mieux. Oh non, des ghouls. Ah oui, j'avais oublié que le but c'était pas de se faire choper avec les ghouls. Wouah, c'était ça les derniers coups là. 42 points de dégâts infligés par Dorn. Mais qu'est-ce qui se passe? Dorn il a dit pas de respect aujourd'hui. Oh là 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 là. Bon, qui a des poches pleines et à moitié pleines plutôt. Parce que c'est plus une ça. Tâche en fait. Facile. Depuis que t'as un âne, oh, oui, je suis désolé. Pardon pour les ânes, c'est vrai que. C'est vrai que c'est pas très cool. C'est fait.
Je vois pas trop où on pourrait aller du coup. En fait, les seuls trucs qu'on n'a pas vérifiés, c'est les... au final, c'est les champignons. Il y a un truc qui s'est débloqué, mais on sait pas quoi. Donc, c'est ça qui est rigolo. Fun. Fun, la rigolade. On va attendre ici. On va envoyer quelqu'un se balader dans, dans les tréfonds. Notre groupe est dispersé. Ça devient très très long, je trouve. Avec un peu de chance, on va y arriver. Oh, mais le bruit! Envoyer notre éclaireur du dimanche. Même si on est vendredi. Le plus bel âne du monde, ceci n'est pas négociable. Comment s'appelle l'âne? Cher Clem Lelu. Bon, c'est peut-être chez champignons là hein, qui vont nous aider. Ah ah! On a trouvé des bracelets. Incroyable. On y est allé, on a vérifié, il n'y avait rien. Archi Mystère et compagnie ou Martin Mystère et compagnie. Peut-être que c'était la base, hein, remarque. La base du nom. J'avoue, c'est deux dessins animés slash série que je n'apprécie pas. Bon, il y a un truc qui s'est débloqué, donc on va aller faire le tour, mais je comprends pas trop ce que ça pourrait être. Hein. Parce que là, en fait, on va aller là-bas, mais on va mourir, à part ça. S'il n'y a pas peut-être le ça, choix. Ça, c'était bloqué, ça. Bon, là, il y a plein de pièges sur le chemin, donc... Je vois pas trop où on pourrait aller, hein. Ça c'était fermé aussi, ça c'est ouvert, ok. Et là... C'est quoi ici déjà? L'anarchie, oh c'est beau, c'est beau. Ah ça y est, il emballise. Et il est décédé, salut. C'est bien de t'avoir dans le groupe. Oui, c'est fait. On attend, j'ai un... Je peux toujours essayer. Bon. Bah alors là, alors je sais pas trop ce qui a pu se débloquer du coup. Peut-être qu'il faut rediscuter avec la statue. Une on était à côté. Logiquement, ça devrait être terre. Un truc à côté quoi. Je peut-être que faut revenir si j'en avais les moyens. Au dodo. Oui, bien sûr. Ah oui, il y avait ça aussi. Bon, on va revenir là, parce que de toute façon, il y a un truc ici. Ah mais on peut discuter avec des gens, c'est vrai qu'il y avait des gens où on pouvait discuter. Bon, on va parler avec lui. Hein. Ça va. Vous êtes combien? Combien de personnes encombrées? 2? 2 sur 6, ça va. On peut vous attendre. Par contre, Raza, tu peux... On l'appelle Martin. Ref à Gogol, premier. Un vieux groupe de punk français bien crade. Ah, je ne connais pas. Et maintenant, que se passe-t-il? On va faire de la diplomatie, attention. Oui, bien sûr. Vous venez de loin et vous avez vu beaucoup de choses. Esprit bienvenant, pouvez-vous me faire sortir d'ici? Du coup, c'est... On a fini ici, parce que ça se trouve... Oui, c'est ça, en fait. On a juste fini. Il faut juste parler avec Islan. Là, on a trois voies. Là, on a appris la voie de la connaissance, là. Genre... Alors, je n'ai pas fini. Oh mon dieu, faut que j'aille discuter avec Durlag. Je vais discuter avec Durlag, du coup. Non, je vais pas envoyer... ça va prendre 15 ans. Je peux toujours essayer. On va discuter avec Durlag, qui doit être là.
Et du coup, ça a débloqué quoi? Vous survivrez à cet endroit, vous comprendrez ce qu'est l'origine de la haine, ça je l'ai fait. Et après, faut que Ah oui, l'assistance aux fantômes ne fait pas partie de mes activités, je peux en tirer aucun profit. S'il faut combattre un mal, je l'en tirerai. Je ne souhaite pas m'impliquer dans ce combat, pourquoi devrais-je m'en occuper? Survivrez à cet endroit, vous comprendrez ce qu'est l'origine de la haine, ce qu'on a fait, de la peur. Maintenant, vous devez empêcher que sa haine s'aggrave. Une créature dessous, plus puissante que toutes les autres, vous devez la supprimer ou elle fera de cet endroit son repère, une telle forteresse imprenable si elle se modèle à son image. Il manque une dague voleuse d'âme, mais peut-être que je l'ai déjà. Je l'ai déjà donné ou laissé par terre quelque part. J'avais oublié cette histoire. Mais le problème, c'est qu'on peut pas les identifier. Comment veux-tu que je sache laquelle est laquelle? Il faut combattre. Ok, il y a toujours un mal à combattre et nous en dehors. Alors faites comme vous l'entendez, la voix est libre, c'est au moins. Apparemment, on a choisi le combat. Il va très vite. Il va très très vite. Quelle vitesse incroyable du lag. Hein. Ah, il a disparu. Ah bah la porte est ouverte. C'était tout. T'as tué un chevalier ici? Tu as une horreur dans le coin, ouais. Attends, je vérifie mes poches. J'ai une dague. Le cœur du golem. Ce n'est pas ça. La dague de jet, ce n'est point ça. J'ai donné une dague à quelqu'un de la dernière fois. Les fléchettes. L'épée courte que j'ai trouvée, que j'ai pas identifiée. Oui, on peut trouver peut-être une dague dans le coin. Hein. En fait, là, il y a Durlag, il nous a ouvert une porte, donc ça se trouve, c'est ça. Hein. Bon, on va suivre Durlag, oui, on va voir. Sûr. Il paraît qu'il faut taper quelqu'un dans le coin, c'est un mal terrible, blablabla. Claire de Lin, ne faites pas un pas de plus, mon arc est pointé sur votre nuque et vous mourrez avant de m'atteindre. Calmez-vous, je ne suis pas votre ennemi, qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis une idiote qui pensait pouvoir assaillir cette tour comme un vulgaire trou de kobold. Mais vous êtes aussi bête que moi, alors je vous conseille de faire votre testament si vous avez l'intention de rester. Mes camarades ont continué un peu plus loin pendant que je me remettais d'un coup à la tête. Morts, ils sont morts et ça va être mort notre tour. Je m'appelle Claire de Lin et je devrais être morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des signes de passage de votre groupe. Je devrais être assez compétent pour arriver jusqu'ici. Espoir, j'ai perdu l'espoir lorsque j'ai entendu les hurlements. Et depuis que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les aider, je ne peux pas même pas m'attaquer à la créature qui doit venir. N'avez-vous rien vu ou entendu? Le pire, c'est qu'elle n'a même pas bougé le petit doigt. Elles se sont transformées en monstres et entretuées. Je suppose que vu l'histoire de cet endroit, c'est ce qui devait arriver. Ne me parlez pas d'espoir, mes amis sont morts. Quel est votre nom déjà? Et vous êtes qui? Vous êtes qui? J'ai pas compris. Qui si? Je suis... Oui, bon, voilà. Alors, écartez-vous, espèce de lâche. Non, vous n'étiez peut-être pas à l'auteur, mais je pense l'être. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des signes de votre passage. Nous n'étions ni faibles ni lâches, ni l'expérience et la stupidité ont causé notre perte. Ils ont continué alors que je me reposais un court instant et je les ai entendus mourir. J'ai entendu, je n'aurais jamais dû amener ces jeunes ici. Ils le voulaient, mais ne pouvaient pas prendre le danger. Bah, ça va être là, je pense, la dague. Nous pourrons désarmer des pièges et tuer des monstres, mais le véritable mal, je n'aurais jamais dû. Et vous êtes? Le mec, il oublie toutes les 6 secondes qui bon. Alors, on va pas abandonner. Qu'est-il arrivé à ceux qui étaient avec vous? Nous n'étions ni faibles. Si vous n'êtes pas décidé à avancer, vous devrez peut-être vous écarter. Voilà. Une bonne description. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend, n'est-ce pas? C'est un chevalier démon. Un chevalier démon, aussi rare que maléfique. À lui seul, il pourrait tous vous détruire. Si toutefois il décide que vous êtes digne de cet endroit. Mes amis l'ont défié comme un vrai vulgaire squelette et il leur a ri au nez. Il n'a même pas eu besoin de brandir son épée. Quelle suffisance mènera la créature à sa perte? La créature saura que je suis une menace, je lui imposerai le respect. J'aurais peut-être bien peu à craindre à ceux. Si ceux que je rencontre sont comme vous, j'approcherai avec prudence. Mais je ne peux renoncer maintenant. C'est vrai ça.
Cela n'aura pas d'importance, vous n'avez toujours aucune idée de ce qui vous attend. Alors dites-moi clairement ce qui est arrivé à vos amis. Ils se sont entêtés, ils l'ont défié, il s'est contenté de les fixer immobiles pendant un instant, ils n'ont su que faire. Puis il a eu un simple geste de la main, et la porte des enfers s'est ouverte. Il leur a créé des doubles et les a regardés s'entretuer en riant. C'est Dalton qui hurlait le plus fort. Voilà Dalton, c'est lui qu'on venait chercher je crois. Je pense qu'il a tué son propre double, il ne l'a pas supporté, c'était le plus jeune. Ils ne savaient pas, et n'ont pas saisi la chance de le reporter. Et quel pouvoir cruel lui a-t-il fallu mettre en œuvre pour cela? Pourquoi êtes-vous venu ici si vous pensez que cette créature est invincible? Pourquoi êtes-vous venu ici? Et quelle était cette chance dont vous parlez? Vous avez déjà dit que vous pensez que cette créature ne peut être vaincue. J'ai eu du temps pour y réfléchir. Je ne pouvais ni avancer ni revenir sur mes pas. Cette chose-là dedans, c'est peut-être même que je suis là. Je doute que cela ait de l'importance pour elle. Mais une chose qu'elle a dite m'a fait réfléchir. Le miroir d'opposition qu'elle utilise doit être très puissant. Peut-être assez pour infliger le même sort au chevalier démon. Selon les légendes, ils ont une certaine résistance. Mais qui sait avec la magie? Tant. On a aucune magie. On est arrivé là pour juste abandonner en fait, recharger la première la première sauvegarde. Parce qu'on a aucune magie les gens. Les règles sont faites pour être enfreintes. Je garde votre théorie à l'esprit mais je pense que j'utiliserai plutôt la force. Je pense que la créature respectera cette approche. Oui, ouais. Je pense qu'elle s'en fout. Je pense qu'elle s'en fout, le chevalier elle s'en fout. Ok, on prend les infos, hein. Je sais, je doute que le miroir soit facilement accessible, même s'il y était, vous pourriez aussi bien partir. Alors, t'inquiète, ça, la technique de se balader dans les ombres pour pouvoir jouer avec des choses, ça on l'a fait. J'ai aperçu la salle et elle n'était pas très grande. Tous ceux qui s'y trouvent sont probablement touchés, ok. Ça veut dire qu'on va tous prendre cher. Bien lancez vos dés et faites vos jeux. Que Timora soit avec nous, je vais lui tirer dessus. Oui. Oui, mais ça va être la misère. Je crois que je vais d'abord essayer à ma façon. Une petite action directe pour remettre ce monstre à sa place. C'était votre désir, mais je suis sûr pour ainsi dire que vous mourrez de façon atroce. Bonne chance, vous en aurez besoin. Ok. Bon, bah on va envoyer Roland de la Tour Brosson. Regardez bien ce logo là. C'est inspiré bien sûr de certaines choses, j'imagine. Un point levé. La résistance, you know. J'en ai assez. J'en peux plus. Elle m'a flingué avec le discours. Ouais, je peux même pas l'ouvrir. Ah si. Ah ah ! Une cape. Pour qui la cape ? Qui a la place pour une cape? Voilà, prends la cape. C'est comme si c'était fait. Pas comme si on avait les poches pleines aussi. Hein. J'avais oublié, mais le combat, ça va être tranquille. Voilà, porte la cape. On sait pas ce que ça fait, mais porte la cape. Vous êtes... J'en ai assez. Il y a d'autres choses à regarder ici. Ah, c'est en haut en plus. Oh là là. On va faire de dos là. Hein. Ça va mal se passer. Je pense que ça va mal se passer. Le mieux, ce serait vraiment d'arriver en mode de transparence, mais... Et oui, c'est très galère. Facile. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Et que moi, j'ai l'habitude de dire c'est très galère, mais parce que c'est... Je sais pas. Enfin, tu nous dis, hein, c'est très galère, si tu veux... Galère scène, si tu préfères. La version courte ou la version longue. Mais je clique sur cet escalier, les... Je vois rien. Ah, ça y est. Ça a l'air de bien se passer. C'est fait. On va faire le tour. Comment ça, tu me vois? L'araignée dit à la mouche, vous êtes la bienvenue, vous allez à la rencontre de votre mort. Je suis le maître à bord. Votre petite attaque là-haut ne m'a pas arrêté, je suis là pour vous achever. Je viens me mettre à ta main. Bonjour, si je vous demandais gentiment de partir, qu'en pensez-vous? Vous cherchez à raisonner la mort. Vos paroles ne veulent rien dire et tombent-elles des feuilles d'automne? J'écouterai votre hurlement, mais vos paroles sont sans intérêt. Vous êtes des instruments devenus inutiles maintenant que votre tâche est accomplie, vous allez mourir comme ces petits morveux derrière vous. Et ces enfants, avez-vous pris plaisir à écraser ceux qui n'avaient aucune chance contre vous? Ma tâche? Je ne ferai rien contre vous.
Vous avez fait exactement ce que je souhaitais. J'ai besoin d'une base fortifiée et sûre. Et je ne veux pas que mes mercenaires risquent leur vie à chaque pas. C'est pourquoi j'attire des aventuriers inconscients qui se chargent de rendre cet endroit plus sûr. Ils viennent jusqu'ici puis meurent. Je n'ai donc pas besoin de me souiller les mains à désactiver des pièges. En aucun cas, la chair stupide se tue elle-même grâce à mon miroir de position. Durlag m'a construit une bonne demeure et votre service a été excellent. C'est le devoir de la chair de travailler dur avant d'accéder au repos éternel. Peut-être délaissez-vous cette chair et reviendrez-vous, mais je doute que vous ayez ce privilège. Lorsque vous avez l'intention de faire tomber, ça on s'en fiche. Tournez votre satané miroir vers moi, qu'attendez-vous? Cachez-vous derrière vos pouvoirs magiques, je vous ferai quand même votre fête. T'as bossé pour lui en fait. Hein? Les gars, c'est plus fort que toi. Waouh. Ok. Tournez votre satané miroir vers moi, qu'attendez-vous? Cachez-vous derrière vos pouvoirs magiques. J'aimerais bien répondre ça, mais je pense que... En fait, l'histoire de la base, c'est pas mal. Espèce d'imbécile prétentieux, vous avez laissé... Vous pouvez demander ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez pas de réponse. Vous mourrez, c'est sûr. Je sais bien que les morts ne tiennent pas à leur langue, aussi bien qu'ils le devraient. Comprendre, cela n'est pas à votre portée. Mourir est votre seule perspective. Je couperai vos têtes avec ma propre épée. Et vous avez bien servi et mérité cet honneur. Oui, mais moi, je suis... Dans le... C'est fait. Regarde, tu ne m'as pas vu, en vrai. Tu as discuté avec un fantôme. Lol. Je vais me chercher, tranquillement, ce miroir de position. Ah, c'est con. C'était con, ça. Alors, attendez, parce que c'est Jaira qui va nous aider. Jaira, qu'est-ce que tu as comme sort d'ultimate appel des créatures des bois et vision lointaine? Oh, ça peut... Qu'est-ce qu'elle avait d'autre comme sort de... Elle appelle du ménestrel qu'on peut toujours pas mémoriser, hein. Notons-le. Manteau de terreur. Le manteau de... permet au magicien d'éradier une aura personnelle de terreur dans un rayon. Ouais. Neutralisation de poison. Poison, ça peut être pas mal. Protection contre la mort. Donc, contre le plan négatif, sort peur. Oh, ouais. Comme les vampires se sont ayant des rapports avec le plan matériel négatif. Qui peut contrebalancer les effets de l'attaque par énergie négative. Ok. Non, mais appel des créatures de bois, ça se trouve, on peut le dominer mentalement, oui, avec la magie. C'est fait. Alors, du coup, on va faire la Et même chose. Que se passe-t-il? Une tâche facile. Sauf que cette fois-ci, on va être intelligent, on va aller directement au miroir. Bonjour, au revoir. Tâche. Nul doute que les formidables trésors ici pourront financer tous les projets que vous fomentez. Votre chair monte sa faiblesse, la richesse, le luxe, bon, rien. En fait, j'aime pas, là, on va pas partir sur ça. Une tâche facile. On va partir sur la manière dont on avait déjà répondu, c'était déjà bien. Une tâche facile. Tâche. Un simple jouet, il a une certaine valeur, pas la souffrance qu'il dispense, mais vous ne pourrez en faire l'expérience, il est fêlé et fonctionne mal, même s'il peut encore être utilisé, je le réparerai. J'attendrai d'autres aventuriers désireux de tester leur détermination. Vous aurez l'honneur d'être mis à mort par mes propres mains en récompense des services que vous m'avez rendus à votre insu. Vous êtes descendu jusqu'ici pour ne faire face qu'à votre destin. Quel gâchis. Mortel ignorant, vous nous avez tous exposé aux effets pervers du miroir. Il est fêlé et défaillant. À présent, je présage que votre agonie sera longue. Il va se taper lui-même. Et voilà. C'est bon. Oui, on sait ce qu'il facile. Faut faire, c'est taper nos propres personnes. Sachant qu'on n'est pas super fort, ça devrait aller. Oui, bien sûr. Et vous, en fait, Ouais, tu peux reculer quoi, aussi. Il y avait une technique de, je crois, de déposer tout au sol. Fonctionnait bien. C'est comme si c'était fait. Ah, mais elle a pas les mêmes pouvoirs que nous, ou c'est quoi ça, cette attaque là?
Le but c'est de nous taper nous-mêmes. Hein. Et Jaira a l'air bien vénère. Je comprends pas pourquoi elle est plus vénère que quand nous on joue. Par contre, faut se débarrasser de Dorn. On est en train de prendre cher. Recharge. On a compris le système, comment ça allait se dérouler. Peut-être qu'on va se placer peut-être avant. En fait, ils arrivent vite, hein. Si je suis derrière le miroir, par exemple. Oui, bien sûr. Derrière le miroir. Est-ce que si je me mets là. Là, il me voit pas. On sauvegarde d'ici. J'envoie. C'est fait. J'envoie ouverture facile de Roland de la Tour Brosson. Il est défaillant. Donc, première chose, c'est se débarrasser de Jaira. Alors. Imoen, Razad, Roland de la Tour Brosson, deux Jaira, Dorn, Miroir Félon, et Dalton qui est toujours vivant. Du coup, on va se débarrasser de Jaira. C'est notre pire ennemi. Elle se téléporte, mais d'où ça? Pourquoi ils ont plus de pouvoir que nous? Tuer Imoen. Pour le groupe. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Une tâche facile. Je m'affaiblis. C'est quand tu veux. Pourquoi lui il a décidé de foncer sur les gens là? C'est qui te tape là en fait? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je comprends pas pourquoi ils ont plus de pouvoir que nous. Pourquoi il y a une sauvegarde là? Genre le niveau. Ça serait un peu abusé quand même. Le serviteur de Dame Nature attend. On va essayer de faire une strat du coup, un peu plus intéressante. Une tâche facile. Peut-être parler à Dalton avant. Vous êtes une bien étrange personne. Oui, bien sûr. Regardez-moi ça. Si on doit se taper contre elle, on va se taper contre elle. Moi, oui. Je suis désolé, hein. On va foncer sur GR. Elle est où? On fonce sur la personne qui nous a foncé dessus. Par contre, faut, c'est Imoen, hein. À un moment, s'il vous plaît, respectez-nous. Dorn, s'il te plaît, mets-lui des coups. Passe quoi, là? Elle est là. Tapez-la, elle. Bah j'imagine que je me tape contre lui-même, mais bon, ça se roule pas. Malheur. Et qui a des pouvoirs, hein? Dorn, mais je suis désolé, il y a un problème. Pourquoi t'as des pouvoirs, toi? Genre, t'en as eu autre que ça, là? Genre, tu peux mémoriser des trucs, non? Bon, on va discuter avec Dalton. Peut-être qu'il va nous donner. Il va nous dire. Ouais, oui, en fait, sûr. C'est une mauvaise strat, hein, l'histoire du miroir.
Il faut que je parte d'ici. Faut que je parte. Tiens, une toux. Ah non, ça se finit jamais. S'ils ne sont pas... Donc on leur met des level 9, je sais... Oui, c'est possible, ça. C'est possible. Bah écoute... On est sympa. Voilà, tourne ton sacré miroir. Passons aux choses sérieuses maintenant. Haha. Ah oui, stupéfie. Bon, allez. Pour ceux qui ont péri. Oui, stupéfie tout le monde, quoi. Ok. Ah, oh non. Je m'affaiblis. Si t'avais bien monté tes persos, tu pourrais faire ça, c'est-à-dire. Ah, c'est comme... Ils sont très bien montés en niveau, hein, je suis désolé. Hein. Oui, bien sûr. En fait, si, ça pourrait être la bonne technique, il faut éviter l'attaque, là. Faut que je parte. Moi, je préfère celle-ci, hein, perso. Par contre, en fait, le truc, c'est que, ouais, y a du people. Ah, mais oui, mais excusez-moi, j'étais pas caché. Attendez. J'étais pas caché, la technique, elle était cachée. À base. Oui, bien sûr. Parlons à Dalton. Bonjour, Dalton. Il faut que je parte d'ici. Faut Dalton. Que je parte. D'accord. Incroyable. Pêche qui vont ensemble. Il y a un formidable trésor ici pour moi. Ok. Mais pourquoi? Ouvre! Voilà. Voilà, tape-toi contre toi-même. Salut. Non, on va rester en groupe. On va rester en groupe. Une tâche facile. On va se taper tous contre Imoen, et là c'est qui? C'est Razad? Ah non, c'est... Allez, tu vas être tapé contre toi, s'il te plaît. Toi-même! Allez, tous en groupe. Donnez de la vie, s'il vous plaît, à... Pourquoi je peux pas la sélectionner? Il se passe quoi? Pourquoi je peux pas sélectionner? Confuse. Oh là 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 là, elle est confuse. Oh là là. On peut même plus revenir en arrière, c'est ça, c'est ici de faire. Mouen est mort. Et cette sauvegarde auto, d'où elle vient? Je me pose la question. On était là. Ok. Oui, bien sûr. Un truc. Pendant que j'ouvre le truc. Tu vas nous faire une petite bénédiction. Elle est où la bénédiction déjà? Voilà. De toute façon, ça prend 15 ans pour avoir juste une amorce de quelque c'est chose. C'est fait. Donc,
Non, stackez-vous ici, là, sur elle. Stackez-vous ici, s'il vous plaît, respectez-nous. Dorme. Je ferai de mon mieux. C'est qui ça? C'est qui est confus? Oui, bien sûr. Rien qui se passe bien. Regardez, elle disparaît, elle apparaît, j'en peux plus. Quittez, madame. Mais regardez, pourquoi ils ont des protections? JPP, Dorn, il a réussi à tuer quelqu'un tout seul. Toujours les confus. Comment ça? Oui. 60. Je crois qu'on a fait au moins 30 morts ici. Hein. J'en peux plus. On va se placer tous là, hein, parce que c'est Jaira, elle arrive par ici de toute façon, donc voilà. C'est la pire. C'est fait. Hop, petite voilà. Mais non, c'est pas ce que j'ai demandé. Voilà, salut. Il est bizarre lui. Mais vas-y, je suis toujours bloqué là. J'en veux plus. Tu es là. C'est fait. Vite, protégez le volant de la tour Brosson. Regardez-moi ce qui se passe. Y'a rien qui va. Pourquoi vous faites le tour? On veut rester ici, nous. C'est bien, là. Tu es là, elle. Ou lui, je sais pas. Je sais pas qui c'est, là. Oh là là, y'a tout le monde qui est confus. Y'a rien qui va. Jaira, on a dit. Azad. Voilà, il prend des points de dégâts. Mais à aucun moment il attaque. Si, ça y est. Raté. Ah, Jaira, non, pas possible. Hein. Là, c'est... Ah, la dague du voleuse d'âme. Je pense que c'est parce que Dalton est mort. Je pense que c'est Dalton qui l'avait. Dalton, c'est la personne que je dois aller chercher, je précise. S'il vous plaît, mettez-vous là. On va se faire une technique de bourrinage. N'oublions pas la technique de bourrinage, c'est-à-dire... S'il n'y a pas le choix. Dorn. Et nos protections ici. Roland de la tour Brosson. Une tâche facile. Ah! Il a poussé Jaira. JPP. Il va attaquer Jaira. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors c'est qui? Mais pourquoi? C'est toi que je demande d'aller là. Pourquoi c'est lui qui est en face? Mais regardez, il va sortir stupéfiant en plein milieu. C'est honteux ce qui s'est passé. Honteux. Là, c'était oui, honteux. Je suis désolé. En plus, on avait une bonne strat de... on reste en retrait. Pour le groupe. Ok. Vous êtes une bien et moi. Toi, tu dois vais. Rester là. Et eux, ils sont pas alourdis non plus. Hein, notons-le. C'est-à-dire que... Ça aurait pu être des gens. Ça aurait pu être des gens aussi blindés dans les poches que nous. Sauf que non. Ils ont décidé, ils ont dit, ouais, nous, on prend uniquement ce que vous avez comme, comme capacité, potentiellement, au niveau 20. Voilà. On vous a repéré. Fatigué. Le serviteur de Dame. Peut-être qu'on va faire le truc défensif, là, pour Jaira. Elle a un truc défensif, là, c'est...
La vision lointaine, on n'a pas besoin en vrai. Harmonie défensive, ça peut être pas mal. On pourrait mettre protection contre la mort, mais je suis pas sûr que ça touche plus... Oui, c'est ça, c'est qu'une créature. Donc ça, on s'en fout, ça va jouer que sur une personne. 48 oui. flèches. 31 flèches. Je pense qu'on est bien. Regardons. Dodo, pour re-avoir notre armure défensive, là. Et il nous reste... Hop. Allez, c'est parti. C'est fait. Bonjour, ma tâche, tournez. Vite. J'ai réussi à passer avant. J'ai réussi à passer avant. Tuez-moi, Gera, en premier, s'il vous plaît. Non, 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 Razad, tue, Gera, en premier. Ah, tu vis cette personne-là. Et Gera, s'il te plaît, tu t'occupes de toi-même, si c'est possible. Puis-je vous aider? Prenez-lui sa vie, faites quelque chose. Mais faut qu'on se débarrasse de Jaira très très rapidement si c'est possible. Regardez, pourquoi tu te balades pour pouvoir lancer un sort là? Pourquoi tu fais des demi-tours? Pépé de lui. Hein. Ah ça y est. Et ainsi va la vie, nous sommes tous confus. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous confus. Oh là 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 là. Pour ceux qui ont péri. Elle a foiré son jet. Elle a pris 15 ans pour rien faire là. Gera, t'es sérieuse? Non. Dis-moi, Gera, que t'as réussi à invoquer. Oui, t'as réussi à invoquer. Super. Je veux juste que vous la tapiez. Si c'est possible. On en est toujours là. Salut petit cancan. La base dodo devant l'ennemi. Avant qu'elle se téléporte. Oui exactement. Mais en plus le truc c'est que ça me fatigue. Et c'est que là on est tous confus. On est bien placés. Mais on est tous confus. La foudre. Ah oui mais la foudre ça sert à rien. Vu que c'est ça le truc. C'est que la foudre ça sert à rien. On est dans le truc. Domination mentale ça peut marcher. Guérison de masse, moi je veux guérison de masse, vas-y fais-moi une guérison de masse sur quelqu'un. Je sais pas qui, mais guérison de masse. Voilà, merci. Allez, on les tape s'il vous plaît. Je m'affaiblis. Non mais, on vient de faire guérison de masse, s'il te plaît. Respecte-nous. Ça se passe comment? Bah, tu sais, c'est un petit vendredi, le début quoi. Début de la journée. Pour l'instant ça va, un petit café, on... Tranquillement. Par contre, le jeu... c'est une histoire. Immobilisation des monstres, oui, faites un truc. Voilà, ils sont obligés de tuer. Mais c'est pas possible. Hein. On était tellement bien placés. Le serviteur de Dame Nature attend. Il y avait tout. Là, on a même pas fait dodo, là. Pourquoi j'ai pas mon cinquième truc, là? Son d'insectes, on s'en fout. Ah oui, faut que je fasse dodo. Bon. Non mais regarde, je te montre. Il a la dague voleuse, on est à la fin. Le truc c'est que c'est la fin de Harry Potter 1. Et que du coup on ouvre un miroir. Parce que bien sûr, je rappelle... certaines personnes n'ont pas trop d'imagination et piquent toutes les informations sur d'autres œuvres culturelles. Je ne citerai pas une certaine TERF. Mais dans l'idée, oui, c'est que il y a un miroir au milieu, un méchant, bizarrement, qui s'appelle un chevalier démon. Et qui nous dit, ouais, en fait, je vous ai attiré dans ce trou pour pouvoir que vous mouriez. Voilà, oui, mourez. Regardez surtout pas le miroir qui me permet de faire des doubles de vous. Et nous, on se dit, bon, on va utiliser ce double c'est fait. À notre avantage, en lui disant de partir
et de tourner le sale miroir vers nous. Il a dit, ah non, mais non, mon miroir, il est défaillant. Donc on ouvre son miroir, sauf que le problème, c'est que le temps qu'on se barre, ils ont décidé de faire des doubles de nous, et ces doubles de nous-là, je tiens à préciser, ils sont niveau 29. Donc voilà. Non mais moi je veux rendre confus cette personne là. En fait je veux qu'elle soit confuse avant qu'on soit confus, si c'est possible. Donnez-lui l'horreur dans sa tête là. C'est la technique de on est agressif. Mais non! Comment ça je peux lancer des horreurs sur son... Vise là! Pourquoi je peux pas viser cette personne? Bon, on va lui faire vampirisme. Deux fois. Hop, on va lui lancer un Kamehameha directement. Mais pourquoi tu pars? Que veux-tu? Reste dans le groupe. Mais restez ici en fait, je comprends pas ce que vous faites à essayer de vous barrer. C'est elle qu'on se tape. C'est personne d'autre. C'est possible de lancer un sort là quelque part à un moment donné? Faites quelque chose, s'il vous plaît. Gera, tu prends 15 ans pour lancer un sort, ça me frappe. Khalid contre Khalid? Ça me va. Ça a l'air d'être un combat équilibré. Si tu veux te taper contre lui, tu peux. Je t'autorise. Ouais. Non mais en fait, on essaye de lancer. Voilà. Le vampirisme. Avant la confusion. Razad qui fait le tour, mais JPP! Oh là 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 là! Et je vais enlever votre femme dans les yeux, hein, j'en peux plus. Hein. Vous restez sur place, s'il vous plaît, merci. Faire de dos. Ah, mais il n'y a pas de jet de charisme. Hein. Ils sont contre nous de base. C'est pas trop au level, c'est faux, c'est juste qu'on n'a pas le niveau depuis le début. Donc on va réussir à sortir, mais c'est pas si simple. Oui, bien sûr. Attends, oui. Bon. Ouais. Attends deux secondes, attends. Ouais, on a discuté, Gera est censé faire des trucs, deux minutes. L'aura, la maléfique, la défense. Hop, merci. C'est fait. Ah, on l'avait peut-être oublié tout à l'heure. Maintenant, je me barre. Et maintenant, on attaque. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Non, non, mais on va c'est attaquer. Fait. Mais. Avez-vous. Je ferai de mon mieux. Intelligence de merde. Je peux toujours essayer. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il me flingue la fatigue. Après le dodo. Oui, c'est vrai que c'est pas bête. Hop. Je pense que je vais même commencer déjà à invoquer l'elfe des bois là qui prend 15 ans à être invoqué. Oui, bien sûr. Attends, faut que je sois transparent quand même. Non, mais non, transparent. Ah non. Je suis transparent, je vais être transparent. Laissez-moi être transparent, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ah, j'ai évité. Non. Et le second de fois où on meurt, c'est juste... Une tâche facile. Une tâche facile. Mais non! Je fais encore la même bêtise. C'est juste fatigant. Allez, cette fois-ci, ça marche. Non? Peut-être. Ouais. Alors, l'idée.
Voilà, l'idée c'est qu'on va lui lancer directement une domination mentale pour voir ce que ça donne. Mais elle disparaît! Comment veux-tu que je réussisse? Là, 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 vous avez la flamme dans les yeux. Oh, pourquoi vous êtes là? Je ferai de... Regardez-moi Razan, ils se barrent et tout, j'en peux plus de ces gens, pourquoi ils font ça? Pourquoi? On est en combat sérieux, on est déjà en train de misérer. Dernier, dernière fois. Clem Lelu, t'as mis un vide, je n'ai pas vu. Peut-être que c'est normal. Oui, bon, j'arrête de me plaindre. On va essayer de faire quelque chose de bien. Oui, bien sûr. Vous savez quoi? Je vais faire un truc. Passer par là. Voilà, Jaira va forcément devoir s'imposer ici. On va essayer de faire un truc. Fourvoiement magique, ça serait pas mal qu'elle ait fourvoiement magique. Le serviteur de Dame Nature attend. La seule personne qui prend pas les coups, ça va être lui. Une tâche facile. Notre combat se symbolise ici. Hein. Ah. On fait lui une confusion, s'il te plaît. C'est une confusion. Non! Elle a fait une confusion avant qu'on confuse. C'est dur la vie. Hein. On est tous confus, mais on bouge pas. En fait, ça devrait passer si la team ne faisait pas de map. J'avais mis une emote hug, mais elle n'a pas l'air de passer. C'est bizarre, ouais. Oh! Oh! Juste avec des flèches, on va la voir. Non, j'y crois pas. C'est possible, cette histoire? Si vous bougez pas, tout va bien. Si vous bougez pas, ça va bien. Moi, quand je peux contrôler les gens, s'il vous plaît. Elle se fait taper, elle. D'accord. La nymphe est agonisante. Ouais, on l'a eu. Grâce à Roland de la Tourbrousson qui fait des flèches à travers l'espace et le temps. C'est beau. Pour le groupe. Elle est tapée là. Ah. Ça va se passer, ça va se passer. On va y arriver, on va y arriver. Faut juste qu'on reste ici, on bouge pas. On bouge pas, on bouge pas. On bouge pas. Les autres nous ont pas vus. Voilà, Dorn est juste en mode attaque. Il faut juste que je puisse le réparer. Réparer Dorn. Réparer Dorn. Comment je vais pouvoir réparer Dorn? Ou la personne qui est en train de se faire taper, c'est qui se tape? Jaira, recule. Azad, recule. Ah. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Pourquoi il n'y a que Dorn qui est comme ça? On va se mettre là-bas. C'est comme si c'était fait. Ah non, il est empoisonné. Oh là, mon dieu. Vite. Faut juste survivre à ça, là. En plus, on peut sauvegarder juste après. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Et pourquoi il tape Dalton, lui? Dalton va mourir ici. Oh mon dieu. C'est un moindre mal pour Dalton, hein. Je suis désolé, mais là, sur le coup... C'est bon? Je ferai de mon mieux. T'es pas obligé de nous taper, Dalton. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Si tu nous tapes, on va devoir te taper. Je tiens à le préciser. Une tâche là, nous, on survit comme on peut. Reste dans ton coin. Ok, c'est qui? C'est Imoen? Ok. Alors ça, c'est faisable. Ma lame vous coupera un morceau. Pour reculer, Razal. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème à être à destination. C'est pas grave. C'est pas grave. Un Kamehameha, tu vois, tu peux faire très bien le boulot sans qu'on ait un problème. Et ici, on attend. Non, Dalton, t'es pas obligé. T'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé. Je peux te rendre confus si tu veux, ça va peut-être t'aider. Comment on va faire pour pouvoir le sommer?
problème c'est qu'on l'a, il nous a tapé. Le problème c'est qu'il s'est fait taper par Khalid. Le problème c'est ça. On va devoir faire le tour. Non mais on va finir le truc, mais on est censé garder en vie Dalton. C'est ça qui est le problème. Le problème c'est ça. Bon, c'est qui? Razad. Ah, ça c'est une grande question. C'est comment on va réussir à faire Razad. Mais Razad, je pense que c'est faisable aussi. Voilà, avec le Kamehameha, c'est toujours faisable. Par contre, ce serait bien qu'on lui donne un peu de vie à notre cher Razad là. Tape-le. En fait, tapez-le. 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 Il est très très vénère. Tapez-le s'il vous plaît, merci. Ah, il avait un bâton. C'est pour ça qu'il a perdu. Hein. Une tâche facile. Vera. Il faut un peu de vie pour notre cher Razad, si c'est possible. Et maintenant, que se passe-t-il? Tout ce problème là ne serait pas existant si Khalid ne l'avait pas tapé. Hein. On pourrait sauvegarder, on aurait fait dodo, là on est obligé de se taper tout le monde. Hein. C'est qui? Ah. Oui, sur chat Twitch, c'est possible qu'il n'y ait pas toutes les emotes. Madame vous coupera un morceau. Déjà qu'il y a un problème avec les emotes, je trouve que dans les rangements, c'est pas très, incroyable. Par contre, Rolanda Tourbrosson, on est d'accord que normalement, je suis censé quand même me faire défoncer. Hein. À un moment, pour la vérité, quoi. Tuez-le, là. Vous avez quelque chose à accomplir? On va diviser ces potions. Besoin de soins pour m'en sortir. À vos ordres. Elle est de. Oui, bien sûr. Bah ça. On va mourir. À cause de Dalton, on aurait pu le faire, on aurait pu dormir là. JPP. Bon. C'est une mauvaise stratégie d'être aussi près du coup, si on se fait confuser. Bon, dernière fois, hein, parce que là je crois qu'on arrive au niveau des horaires, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il sert à rien, de toute façon je pense qu'il meurt dans nos bras malgré tout, mais en vrai, on peut essayer de le faire survivre, il n'y a pas trop de complexité à ça, quoi. C'est juste que c'était fatigant, là. Là c'était un peu éreintant dans le sens où ça aurait pu bien se passer. Oui, bien sûr. Donc, la technique de traverser, quand même, est mieux. J'enlève la flamme de leur visage. Le serviteur de la nature absolument attend. Que cette personne-là... Ah oui, j'ai pas fait mon... Quand même parti, hein. Puis-je vous aider ? Moi, ça me dérange pas. Par contre, tu peux faire des Kamehameha. Ouais, que tu fasses des Kamehameha. Je voudrais que tu lui piques sa vie. Possible. Je voudrais que tu lui lances beaucoup de flèches dans sa tête. Merci. Et nous, on fait le tour. Ah, il y a Imoen qui arrive. Ah mais c'est lui qui l'a, la dague de voleur, c'est même pas Dalton. Incroyable. C'est fait. Ça c'est Razad ça. Ah,
Je peux toujours essayer. Je m'affaiblis. Regardez-moi ces deux là, gars. Ils sont graves. Franchement, ils sont graves. Non, non, mais si vous avez besoin d'un guérisseur, restez ici, s'il vous plaît. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. On va devoir distribuer encore nos potions. J'ai un antidote. Yes. Pas sûr d'avoir un deuxième antidote quelque part, par contre. Non. Du coup, je pense que je peux faire. Tu peux prendre ta petite boisson. Je peux faire un petit ralentissement du poison. Azad, il fait toujours son attaque. Et notre cher ami peut peut-être lancer son truc depuis tout à l'heure là. Ah, mais elle est là! Vas-y. À quoi d'être au corps à corps si toi t'es censé invoquer des gens qui sont surpuissants, s'il te plaît. Je peux plus. Ok. Regardez combien de temps elle prend pour faire ça. Oui, bien sûr. Surtout ne pas double-cliquer dans ce jeu. Regarde-moi ça. Pourquoi je peux pas lancer confusion sur sa tête à lui? À elle. Là, confusion, c'est pas dans le vent en fait. Hein. Ah, c'est au sol qu'il faut viser confusion. Une plaie béante. Mais sur pourquoi? Comment c'est possible ça? Que tu lances un sort, si c'est au sol. D'où ça existe? Une ça a existé à quel moment de PP? Allez. Donc, Jaira, t'étais censé justement invoquer, mais là j'ai l'impression que tu as décidé d'oublier ton invocation. Ah, donc là, du coup, elle invoque pas, en fait. Parce que j'ai sauvegardé pendant qu'elle invoquait. C'est moi ? On va revenir. Si, c'était la deuxième fois, mais la première fois, c'était il n'y avait pas besoin. Oui, il faut lancer un sort au sol. La confusion, c'est au sol, c'est pas sur les gens, en fait. Bon, apparemment... on a décidé de... je pouvais pas viser la GR. Ouais. RPG, hein, bien sûr. Et là, je peux pas me mettre dans l'ombre. Et... Le serviteur de Dame Nature attend. Voilà. Oui, une tâche facile. T'as pas le time, hein, s'il vous plaît, là. Ça se passe bien la prochaine. C'est fait. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Elle envoie quoi? Qu'est-ce que tu fais? Une bénédiction? Bah ça, tu peux rester avec nous. Donc vous êtes tous les deux à essayer d'aller au corps à corps avec cette personne, si vous voulez. Mais... ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir l'avoir, en fait. C'est vraiment que de la magie. Vous êtes une bien étrange personne. Donc, par exemple, confusion. Ah, là, on peut viser quelqu'un. Ah, excusez-moi. Hein. Pourvoiement magique. Par exemple, faire des trucs, en fait, sur cette personne-là.
Je pensais pas qu'elle allait être, ça allait être la plus compliquée à gérer. Franchement, je me suis dit Khalid ou Dorn, peut-être. Je peux toujours essayer. Je ferai de mon mieux. C'est fini, on est tous confus. Passons aux choses sérieuses maintenant. Mais il est pas il est pas mort. What the fuck? Il est pas mort. J'en ai assez. Tue-le. J'ai si froid. Bordel. Pauvre chose, connaître la mort si tôt. Il y avait une chance sur 90 millions qu'il meure pas et il est pas mort. Genre, on a fait combien de tests avant qu'il meure pas face à lui-même? C'est une histoire, quoi. Il y a un petit move. Bon. Voilà. Je vais attendre qu'elle arrive. Oui, bien sûr. Maintenant que ça va jouer. On enlève ça. Allez, hop, elle est là. On va faire une confusion directe. On va lui faire une confusion magique directement après. Je sais pas si elle a été touchée, mais... Convocation magique. Convocation d'insectes. Et après, on lui fait. Pourvoiement magique. Une tâche facile. On amène tranquillement Roland de la Tour de Son. Oh non, il s'est découvert. Wouah! J'ai besoin des deux personnes qui sont survivantes pour bloquer cette personne. Ils vont encore attaquer Dalton, j'en peux plus. C'est Jaira qui est à côté. Okay. Bonne nuit de la vie. Je dois être plus touché que je ne le pensais. Tué par Dorn, confus. En fait, c'est même pas les miroirs qui nous tuent. C'est vraiment nous. C'est nous. C'est même pas des représentations de nous-mêmes. C'est, on s'entretue vraiment. Je vais peut-être envoyer Imoen ouvrir la porte. Hein. Parce que, en vrai, il est plus efficace ici. Le serviteur de Dame réalité, Nature attend. Voilà. C'est d'une chaîne inconnue, ça arrive. Ah oui, c'est vrai qu'elle loupe ses furtivités. Peut-être qu'il faut envoyer Razad du coup. Razad, il est plus doux. Bonjour. Ma tâche. Tournez-vous. Enfin. «
Il est où Razad? Ah oui, il est de l'autre côté, c'est vrai. Et on peut éviter... la confusion. Ce serait pas mal. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et lui, il est avec nous. Ah, c'est ça la confusion, c'est que en fait, on peut. Et moi, tape-toi contre toi-même, s'il te plaît. Mère de sûreté! Mère de sûreté! Et maintenant, que se passe-t-il? Il est décédé. Jésus m'a fait de lui. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Non mais non! Qui? Je l'ai eu, oui, j'ai eu Jaira, mais si c'est pour que les gens ils meurent de confusion, hein, moi ça me va pas en fait. Regarde, regarde où il est en train de se barrer lui là! Regarde-moi ça! Ça me fatigue, quelle heure est... Oh là 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 là! Bon, faut qu'on y aille. Je suis désolé, mais là je peux plus continuer. On n'y arrivera jamais à sortir de ce truc. Où c'est qu'on va aller? Ben voilà, on va aller voir East Ridge. Bravo pour Réclame le Lu, 4323 caractères, c'est beau. Bah, je pensais que la... comment ça s'appelle le truc là qu'on a là? En fait, le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de protection contre les... En vrai, contre la magie. Voilà. Et là, il nous fallait un magicien. Clairement, je sais pas quoi dire, là, sans le coup. Bon, bah voilà, c'était Baldur. C'était beau, hein. C'était beau, on remet la musique. Les alertes Chronopost, oui, tu m'étonnes que Chronopost aussi, ça va être compliqué. Merci d'avoir été là. On se voit du coup normalement mardi. Et j'espère qu'on y arrivera à la fin de cette tour. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on avance juste pas en fait. Clairement dans le jeu on n'avance pas. Là on est dans une...